Première journée des finales SHF d'attelage 2022. Chez les formations deuxième année, c'est Gloria de l'Énervie, menée par Adrien Le Fur, et Haribo du Carlos, présenté par Clément Chaussecourte, qui sont en tête du classement provisoire pour les chevaux de trait. La jument breton de 6 ans et le mâle comtois de 5 ans obtiennent un dressage à 75 points. Caresse de Marlemont, menée par François Évrard, est en tête chez les poneys et chevaux de sang. La jument Franche-Montagne de 6 ans réalise un dressage à 75 points également. Chez les qualifications deuxième année, c'est Ginger Crystal Miri, menée par Laetitia Miricourt, qui est en tête du classement provisoire chez les poneys et chevaux de sang. Le mâle Welsh Parbred de 6 ans obtient un 80 sur son épreuve de dressage. Enfin, chez les qualifications première année, c'est Italia de Lille, présentée par Dylan Bouillet, qui est en tête à l'issue du dressage dans la catégorie des chevaux de trait. La jument Cobnormand de 4 ans termine sa première épreuve avec 74 points. Chez les chevaux de sang et poney Q1, c'est Magic Boy, mené par Nathalie Wayot, qui est en tête du classement provisoire. Le mâle KWPN de 5 ans réalise une reprise à 86 points. Demain, l'épreuve de maniabilité et l'entrée en compétition des formations première année.